vont cuisiner jusqu'à midi, midi et demi. Ensuite, on va les installer à table et ils auront préparé à peu près la moitié du menu quand même. L'idée, c'est vraiment qu'ils se rendent compte déjà de se faire présent, de préparer des plats de cette manière, du temps que ça prend. Le repas sera pas le même, il y a une grande différence quand on a pu voir la cuisine le matin. Donc ils vont vivre, je pense, une expérience assez unique. Tout est important, hein. Autant dans la manière de tailler, de cuire, de choisir. Et après, ce qui revient énormément, c'est l'ambiance. Même si on est dans un restaurant étoilé, il y a une manière très respectueuse et humaine de traiter les gens. Tout en faisant un restaurant étoilé, d'avoir de la haute gastronomie, d'avoir tout doit être parfait, mais on peut le faire en étant quelque part humain et simple.